Pour leur discipline et leur abnégation au travail, 276 gendarmes, tous de l'intérieur du pays, ont été distingués. Cette cérémonie de décoration de Torogué fait suite à celle organisée à l'école de gendarmerie à Abidjan. Sept officiers ont été faits chevaliers dans l'ordre national, 11 autres chevaliers du mérite ivoirien, 25 officiers, 219 sous-officiers ont reçu la médaille des forces armées et 14 la médaille des sauvetages. Par cette décoration, l'État ivoirien veut témoigner sa reconnaissance à ses soldats de la loi. Paul Kofi Kofi, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, a au nom du chef de l'État salué le dévouement de la gendarmerie nationale, une vertu qui se fait souvent au prix de plusieurs sacrifices et même de la vie. Le ministre en charge de la Défense a invité la gendarmerie à tout mettre en œuvre pour freiner les ennemis de la Côte d'Ivoire qui veulent se dresser sur le chemin de l'émergence. Cette décoration des gendarmes est une première en Côte d'Ivoire. Ces récipiendaires sont pour la plupart des commandants des légions, d'escadrons et de compagnies. Ce sont au total 598 officiers et sous-officiers de la gendarmerie qui ont reçu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire.